Remède naturel pour l'endormissement partie 1/2. Qu'est-ce qu'un endormissement difficile? Du mal à trouver le sommeil? Est-il besoin d'en donner une définition? Peut-être tout simplement que vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Ou bien c'est dû au stress, à l'anxiété, à un problème moral, à des troubles digestifs ou à des carences. Vous avez essayé différentes techniques et cela n'a pas encore marché. Voici 7 remèdes naturels pour vous endormir. Une alimentation équilibrée, manger le soir au moins 2 heures avant le coucher. Un dîner suffisamment nourrissant sans qu'il soit trop lourd, pour une meilleure digestion. Liens commerciaux. Certains aliments favorisent le sommeil, augmentent la sérotonine et la mélatonine, hormones du sommeil, comme le pain complet, les céréales complètes. Par exemple, le riz, les légumes secs et frais, ainsi que les fruits comme la banane, la pomme et les dattes permettent également une meilleure détente. Soupe de laitue. La laitue est remarquable au dîner du soir, non seulement pour ses nombreux apports en minéraux et vitamines, mais aussi pour son lactucarium. Une substance qui se rapproche de l'opium, avec les avantages sans les inconvénients. Mangez-la, sans traitement chimique nitrate si possible, en salade ou braisée. Cuite, elle est encore plus efficace pour l'endormissement. Lait chaud au miel. Peu de temps avant d'aller dormir, buvez un verre de lait chaud, avec un peu de miel. Le lait contient un somnifère naturel, le tryptophane, qui facilitera votre sommeil. 3/Des tisanes à boire en soirée, aux propriétés qui calment et même endorment le système nerveux. Par exemple, la camomille, le tilleul, la valériane, la mélisse. La fleur d'oranger, le thym, à laisser infuser 10 minutes, la marjolaine, les cônes de houblon, 2 cuillerées à soupe par litre d'eau, laisser bouillir 2 mn et infuser 15 mn, la passiflore et l'anis. 4/ Les soltias, le pavot de Californie, jolie fleur de nos jardins, de la famille des coquelicots. Apporte un sommeil réparateur et paisible aussi bien aux adultes qu'aux enfants, car elle est sédative et anxiolytique, à éviter tout de même pour les femmes enceintes et les très jeunes enfants car elle contient des alcaloïdes. On la trouve en extrait liquide, teinture mère 40 gouttes dans de l'eau, en gélule ou en infusion. Elle est à prendre de préférence entre les repas et n'a pas d'effet secondaire d'accoutumance. Lait de lavande. Se détendre avant d'aller se coucher afin de chasser le stress de la journée. Prenez un bain tiède avec quelques gouttes de lavande ou laissez juste tremper vos pieds et vos mains dans une bassine. 6/ Pulvériser au choix quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, de bergamote, de camomille, de sauge ou de mandarine sur votre oreiller ou dans votre chambre. 7/ Pour vous endormir, pensez à des choses agréables, ne laissez pas les pensées négatives s'attarder dans votre esprit. Vive le sommeil. Si ces méthodes ne suffisent pas,
Dans la seconde partie, vous trouverez 8 autres techniques.